éternel. Ce matin, redonne-nous le Christ, Seigneur. Redonne-nous le Christ. Redonne-nous ta nature. Redonne-nous ton identité, Seigneur. Redonne-nous la puissance. Redonne-nous le feu et la flamme. Redonne-nous ta grandeur, Seigneur. Redonne-nous le Christ. Placer les cheveux à leur place. Comment Dieu a fait de la poussière de la terre, comment il a fait pour faire des os durs, de la poussière de la terre. Comment il a fait pour faire de la poussière de la terre une chair. Comment il a fait. Et lorsqu'il a fini de créer l'homme, totalement épuisé, Dieu devait aller à la retraite parce que l'homme l'a totalement épuisé. Après l'homme, Dieu n'a plus rien créé. Tu es merveilleux. De toute la création, c'est toi la tête. De toute la création, c'est toi la perfection. De toute la création, c'est toi la gloire de Dieu. De toute la création, c'est toi finalement Dieu. Puisque tu incarnes son image, sa ressemblance, tu es Dieu. Alléluia. Et après avoir créé l'homme, mon ami, quand il s'est assis, l'homme n'est pas un serviteur. Quand je vais en Côte d'Ivoire, on m'appelle Talingano, le serviteur de Dieu. Je dis, mais il fallait me poser la question. Pose-moi d'abord la question si je suis un serviteur et tu m'annonceras comme ça, pasteur. Je ne t'ai jamais dit que je suis un serviteur. Moi, serviteur, jamais. Mon ami, j'ai des serviteurs à Bangui. Mon épouse dit, vous n'avez pas accès dans notre chambre. Et ces hommes, ces femmes ne rentrent pas dans notre chambre. Ils restent là où ma femme décide. Et lui-même a dit, vous, je ne vous appellerai plus serviteur, mais vous êtes mes amis. Yes. Mes amis. Alléluia. Yes. Mon ami. Et puis Dieu n'a pas fait de moi un serviteur. Après m'avoir donné tout ce que lui il incarne, tout ce que lui il est, il m'a établi son partenaire. Quand il est assis, il a fait venir tout ce qu'il a créé vers l'homme. Il a dit qu'il veut voir comment l'homme l'appellera. C'est l'homme qui est rentré au-dedans de lui. Il a découvert la divinité qu'il incarne, le pouvoir de l'image qu'il incarne, la puissance de la ressemblance qu'il incarne. Il a commencé à nommer les animaux sous le regard de Dieu. L'homme est partenaire de Dieu. L'homme est créateur. Oh, tel qu'il est, tel que je suis. Tel qu'il est, tel que je suis. Tel qu'il est, tel que je suis. Ce matin, c'est fini. Ça y est, j'ai dit, fais-les. Ça y est, j'ai dit, fais-le, c'est fini ça. C'est fini, ce matin. Voilà ce qu'il te dit. Nous lisons alors le livre d'Exode 7. 1. Si vous pouvez me l'afficher, voilà. Oh. Voilà. Je vous demanderai, mes enfants bien-aimés, de vous tenir debout et de lire la parole de Dieu.
1, 2, 3, allons-y. Non, mettez-moi de la conviction. Mettez-moi de la conviction dans cette parole. Voici la seconde. Lisez avec toute la conviction, la foi, la détermination. Allons-y, mes enfants. L'Éternel dit à Moïse, moi, je te fais Dieu. Et enfin, la troisième, regarde toi-même, puisqu'il y a voix. Papa, j'ai toujours eu une mauvaise vision de moi, mais ce matin, c'est fini. C'est fini ce matin, je n'aurai plus une vision erronée de moi. Fini ce matin, je ne me verrai plus dans les yeux des hommes qui parlent de moi. Je ne me verrai plus dans les yeux des prophètes qui peuvent prophétiser n'importe quoi sur moi. Je me verrai dans la parole de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je me verrai dans la volonté de Dieu de m'établir ce matin selon ce qu'il a conçu de moi depuis le sein de ma mère et que je vais devenir ce matin et à jamais. Oh, mon fils Léonel, je suis venu ouvrir tes yeux, puisque tu es le Josué qui doit reprendre dans une nouvelle vision, une nouvelle dimension. Je suis venu t'élever. Tu es mon fils. Tu connais le cœur que je te porte. Hein, quand on s'est tout le temps rencontré, que je diminue et que tu croisses. Non. Voilà la troisième. Mettez-moi le feu. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Mes enfants, le mot-clé là-dedans, ce n'est ni Dieu, mais c'est ta vision. Vois. L'Éternel a créé les cieux et la terre, pas par la parole. Il a créé les cieux et la terre par le dit. Dieu dit. Beaucoup parlent pour ne rien dire. Jésus prenant la parole et dit. Beaucoup prêchent pour ne rien dire. Mais lorsque tu arrives au dit, c'est irréversible, c'est établi. Yes. Voilà la révélation que Marie a donnée aux apôtres. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie a donné la révélation de Jésus en dit. Il est le dit de Dieu. Pas le parler de Dieu. Il est le dit de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a un dit ce matin. Il y a un dit qui te concerne ce matin. Il y a un dit qui t'établit ce matin. Bishop, archibishop, ce ne sont que des rangs des hommes. Dieu veut t'établir dans sa nature. Dieu veut t'établir dans sa souveraineté. Dieu veut t'établir dans sa puissance. Alléluia. Dieu veut t'établir dans son image, sa ressemblance. Voilà. Dieu veut t'établir dans sa grandeur. L'Éternel dit à Moïse, vois. Il y a une virgule, vois. Vois. Et Lot a quitté mes yeux. Quand Lot a quitté les yeux d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, puisque Lot est sorti, vois, du côté du nord, de l'Orient, tout le pays que tu vois, je te le donne. Mais quand Lot était encore là, Abraham n'avait pas la faculté de voir.
Combien de temps je perds avec Lot dans ma vie? Seigneur, c'est pas moi qui ai déchiré Lot. Tu m'as fait la grâce, toi-même tu es monté sur la croix, tu as déchiré le voile. Lot veut dire voile. Il a déchiré le voile depuis le haut jusqu'en bas. Ce matin, je vois grand. Je vois élevé. Ce matin, je vois élevé. Je ne vois plus les miettes. Je ne vois plus les petits démons, les petits sorciers, les petits ennemis. Je vois la souveraineté de Dieu. Je vois le trône qui m'est revenu. Je vois la grandeur du nom de Jésus qui est mon héritage. Je vois la plénitude du Saint-Esprit que je reçois ce matin. Je vois les dons des miracles que le Saint-Esprit m'accorde ce matin. Vois. Vois. Tu as dit que tu es malade. Si tu vois que tu es malade, ainsi soit-il. Vois, on t'a dit que tu es stérile. Si tu vois que tu es stérile, ainsi soit-il. Mon ami, vois, 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 mes enfants, vois, vois. L'Éternel fait de toi Dieu. Ce matin, l'Éternel fait de toi Dieu en grand D. Oh, à partir d'aujourd'hui, finis les miettes dans ta vie. Tu réaliseras que des grandes choses. Tu feras des exploits à partir d'aujourd'hui. Tu marcheras sur l'enfer et les démons. Oh, Covid, qui es-tu? Mais enfin, je suis rentré à l'hôpital, pitié. En France, 10 fois au chevet des malades qui sont à la réanimation. Le médecin qui m'a reçu, il m'a dit, monsieur, vous prenez beaucoup de risques. J'ai dit, quelqu'un a pris beaucoup de risques pour moi. Mais il n'en était pas mort. Il m'a affranchi avec le risque qu'il a pris. Je rentre ici. Je rentre là où se trouve Goliath. Et je lui dirai, tu as battu la sève, mais tu ne battras pas le nom de Jésus. Tu ne battras pas le nom de Jésus. Yes. Alléluia. Mes enfants, ce Covid, mais lui n'a pas de chance. Parce qu'il a un nom. S'il n'avait pas un nom, je le craindrais. Il me fera peur, mais il a un nom. Et il a un prénom. Alors, comme il a un nom, mon fils Léonel, tous ceux qui portent un nom sous le ciel, sur la terre, dans les enfers, fléchis les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui portent un nom, tous ceux qui portent un nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les enfers, fléchis les genoux, fléchis. Fléchis, 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 devant le nom, devant le nom, devant le nom. Je fais quoi avec le Covid? Malheur à toi parce que tu as un nom et je possède ce nom et tu fléchis les genoux devant moi. Covid. Mais enfin, enfin, tu peux ridiculiser les hommes, mais les oins de Dieu, jamais tu les ridiculiseras. Deux pasteurs, le Seigneur a trouvé mieux les prendre avec une dame, mais les 7, je les ai affranchis à la réanimation de l'hôpital Pitié. L'année dernière où Covid faisait rage. Mais enfin, ce nom n'est pas resté dans le ciel, mon fils. Pierre est descendu avec ce nom de la chambre haute. Il a donné ce nom aux hommes afin que, par ce nom, tu relèves les malades. Il t'a donné ce nom pour que ce matin, tu puisses triompher. Il t'a donné ce nom
pour que tu vives de la grandeur de ce nom, de la souveraineté de ce nom, du feu, flamme qu'incarne ce nom. Mon Père, mon Père. Oh. Et encore, ce que le péché, moi le plus grand péché c'est l'ignorance, ne pas savoir qui tu es, tu vas vivre comme un ridicule, papa, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas vivre comme un médiocre. Mais le jour où tu sauras qui tu es, tu diras jamais, je ne suis pas une poubelle. Et je n'accepte pas le ridicule. Je n'accepte pas la médiocrité, l'ignorance. Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Moïse avait oublié qu'il avait un bâton entre ses mains. Paniqué devant les serpents de Pharaon, Dieu lui dit, mais Moïse, les augures, ils ont utilisé les bâtons. Mais qu'est-ce que tu en mets? Moïse a eu la grâce de voir qu'il avait un bâton entre ses mains. Et Dieu lui a dit, mais alors Moïse, jette ton bâton. Bâton contre bâton. Sorcier, vous avez utilisé le bâton? Bâton contre bâton. Leur bâton transformé en serpent. Serpent contre serpent. Le bâton de Moïse aussi est devenu un serpent. Mais le bâton de Moïse était le bâton de prodige. Les sorciers peuvent faire des miracles. Satan peut faire des miracles. Le seul capable à faire des prodiges, c'est l'Éternel notre Dieu. Le bâton de Moïse était le bâton de prodiges qui a dominé sur tous les bâtons des sorciers, tous les bâtons des magiciens, tous les bâtons de Pharaon ont été avalés par le bâton de Moïse. Alléluia! Sortons de l'ignorance. Que Dieu nous ouvre les yeux ce matin, mes enfants, pour voir qui nous sommes et quoi nous possédons. Mon fils, voilà Moïse dans le désert. Les petits serpents mordaient Israël, tuaient Israël. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Les petits serpents, toi Moïse, élève-moi le gros serpent. Serpent contre serpent. Quiconque relève la tête et regarde au serpent des reins, triomphe. Serpent contre serpent. Alors, aujourd'hui, nous avons un C. Corona, Covid, un C. Un C. Lui, c'est un C. Lui, là, c'est un C. Mais j'ai aussi un C. Le Christ. Roi des rois. J'ai aussi un C. C contre C. C contre C. Le Christ contre le Covid. On me montre le poumon d'un homme qui était totalement fini. Et je regarde sur l'ordinateur. Le poumon fini, cet animal ne fait que détruire le poumon, là où se trouve l'oxygène. Et quand j'ai vu sur l'ordinateur le poumon fini, le médecin m'a dit, on devait le débrancher depuis ce matin. Mais pasteur, vous ne pouvez plus rien, puisque c'est clos. J'ai dit oui. Oui,
Docteur, je peux vous raconter une histoire. Une femme lui a dit, il a attendu 4 jours, il est venu. Une femme lui a dit, tu aurais pu venir au moins quand il était malade. Tu aurais pu venir quand il était encore sur le lit de mort. Mais là, là, il est enterré. Depuis quand il est pourri. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est là qu'il a dit, montrez-moi là où vous l'avez mis. Il est rentré. Il a changé le nom de Lazare à un grand et solennel nom, la gloire de Dieu. Il a changé le nom de Lazare à un grand nom, la gloire de Dieu. Quel que soit l'état de ta déconfiture ce soir, ce matin, tu repartiras avec un nom élogieux, un nom glorieux, un nom de la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu ce matin. Par le Christ en toi, tu es la gloire de Dieu ce matin. Par le Christ en moi, je suis la gloire de Dieu ce matin. Je dis, Seigneur, si tu as changé la pourriture de Lazare en gloire, je change cette situation en ta gloire. 3 jours, le médecin m'appelle, me dit, pasteur, un miracle, un poumon tout neuf, un poumon tout neuf. Voilà ce que le nom de Jésus est capable de faire. Alléluia. Voilà ce que le nom de Jésus est capable entre tes mains, dans ta bouche, ma fille, de faire. Voilà ce que le nom de Jésus est encore capable de faire. Alléluia. Un poumon tout neuf. Un poumon tout neuf. Voilà, 7 personnes, je les ai affranchies de la réanimation. Les gens courent après moi. Kalingano, tu as plus de 65 ans. Vaccination, j'ai dit, ah bon? Mais vous aurez dû m'appeler au moins pour me demander s'il te manque de l'eau. Vous ne vous préoccupez pas s'il me manque de l'eau, vous ne vous préoccupez que du vaccin. Mon ami, pour renouveler mon papier, on m'a amené faire des examens. Ils ont tiré 8 tubes de sang. 8 jours après, le médecin m'appelle. Monsieur, vous vivez quelle planète? J'ai dit, mais ça a quoi à faire au résultat que je viens chercher? Docteur, il dit, mais dites-moi, vous vivez quelle planète? Vous n'avez aucune trace de cholestérol. Vous n'avez aucune trace de diabète. Vous n'avez aucune trace de prostate. Et pire encore, vous avez le sang d'un jeune de 18 ans. Pire encore, vous avez le sang d'un jeune de 18 ans. Quel est votre secret? J'ai dit, docteur, si vous dites, je vous dis mon secret, peut-être que vous n'arriverez pas à croire. Mon secret, Christ en moi. En moi. Il n'y a plus de place de diabète. Il n'est pas avec moi comme il disait qu'il sera avec Moïse. Non, non, il est en moi. Il est en moi. Je suis en lui. Corona, écoute-moi bien. Tu vas ailleurs. Corona, toi qui ridiculises les hommes avec des morceaux de chiffon, tu les amènes à porter des morceaux de chiffon. Déjà dans l'église, ils ont de la peine à prier. Et tu viens aujourd'hui leur redonner encore un chiffon. Alors là, c'est la mort. Dans l'église, quand tu dis aux chrétiens de prier, mais le diable vient encore leur donner
boxeur de chiffon. Il dit, ne crie pas. Et ton nez, tu ne peux pas respirer. Sentez, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Comme j'ai... au Bénin, on appelle cache-nez. Comme j'ai caché le nez, je ne peux plus sentir. Alors que les psaumes 34 me disent, sentez et voyez. Le nez est bouché, le nez est fermé. Je ne peux plus sentir. Je dis, quand ma fille m'a amené ce morceau de chiffon, je dis, mais ma fille, j'en ai déjà dans la poche. Je n'en ai pas besoin. S'il faut que je parte ce matin, dis à ton Covid, il ne me rendra qu'un grand service. Partir ce matin, je n'aurai plus l'inquiétude des moustiques. Les moustiques ne me piqueront plus. C'est fini la faim, c'est fini la soif, c'est fini le soleil, c'est fini l'hiver. Je cherche même quelqu'un qui veut me rendre service. Covid. Mais comme tu n'as pas de pouvoir sur moi, va ailleurs, laisse-moi tranquille. Vaccin, je fais quoi avec un vaccin? Le sang de Jésus en moi ne suffit pas, docteur, monsieur le ministre. C'est vous qui n'êtes pas vacciné. Alors allez chercher le vaccin, moi. Je suis vacciné par le sang de l'agneau. Vois, 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 vois ce matin que ta vision change en ce huitième jour. C'est au huitième jour qu'on l'a amené dans l'église. C'est au huitième jour qu'il a reçu un nom sorti de la bouche de celui qui était prédestiné à voir la gloire de Dieu. Quand sa maman lui a donné le nom de Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un homme. Est un homme. Il fallait un homme pour porter le péché. Dieu ne peut pas porter le péché. Il fallait un homme pour porter la maladie. Dieu ne peut pas porter la maladie. Il fallait un homme pour porter mon ridicule. Dieu ne peut pas porter le ridicule. Quand on lui a donné le nom de Jésus, le Sauveur, on l'a amené le huitième jour. Siméon, rempli du Saint-Esprit. Marie n'était pas remplie du Saint-Esprit pour avoir la révélation du nom de Jésus. Mais Siméon était rempli du Saint-Esprit. Dès que Siméon a vu cet enfant, a dit, mes yeux ont vu le Christ. Mes yeux ont vu le Christ, la gloire de Dieu. Le salut d'Israël, la lumière des nations. Mes yeux ont vu le Christ. Mes enfants, vous savez pourquoi les démons vous rient au nez avec le nom de Jésus? On a des aisies, on a des aisies, on a des aisies, on a des aisies. Il y en a aujourd'hui qui utilisent les thorax et les biceps pour pousser les gens par terre. On a des saisies, on a des saisies. Il utilise les thorax. On a des saisies. C'est parce que il n'y a pas Christ ou de ton Dieu. Mon ami, le nom de Jésus ne peut pas arriver sans Christ. Tu prends un couteau. Tu dis au couteau, couteau, toi coupe. Le couteau ne coupera pas. Tu mets le couteau dans la main d'un homme qui n'a pas d'énergie, de force, une main paralysée, et le couteau et la main ne coupera pas. Finalement, mes enfants, qu'est-ce qui coupe? Ce n'est ni le couteau, ce n'est ni la main, c'est la force que vous ne voyez pas, qui se trouve dans la main qui coupe. C'est la force que vous ne voyez pas. Vous voyez le couteau, Jésus, homme.
Mais le Christ, vous ne le voyez pas. Le Christ est en moi. C'est lui qui relève les paralytiques. C'est lui. Sur la croix, Pilate ne peut pas écrire Christ. Pilate n'a pas la révélation de Christ. Pilate a dit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais où était le Christ? Le Christ ne peut pas mourir. Et c'est à cause du Christ, mon fils, que Pierre est intronisé. Il n'a pas dit tu t'appelles Jésus. Il a dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Pierre, sois heureux, sois heureux. Voilà son identité de la divinité. Éternel, ce matin, redonne-nous le Christ, Seigneur. Redonne-nous le Christ. Redonne-nous ta nature. Redonne-nous ton identité, Seigneur. Redonne-nous la puissance. Redonne-nous le feu et la flamme. Redonne-nous ta grandeur, Seigneur. Redonne-nous le Christ. Et Paul ne disait pas Jésus en moi. Paul disait Christ en moi. Christ en moi. Et mon frère Paul dit Christ en moi. L'espérance de la gloire. Lionel, je dis Paul, écoute-moi, ce matin je ne parle pas ton langage. Paul, toi tu peux parler espérance, mais je ne parle pas le langage de ta foi. Regarde, j'ai un micro que Lionel m'a donné. Je vais espérer avoir un micro. J'ai un micro. Paul, espère avoir la gloire. Mais moi ce matin, j'ai un micro. Ce matin, j'ai Christ en moi. Je passe de l'espérance à l'assurance. Ce matin, je passe de l'espérance à l'assurance. Christ en moi ce matin, l'assurance de la gloire. La maladie n'a plus sa place. Christ, le Dieu de gloire a fait son entrée. Le Dieu de gloire a fait son entrée. Le Dieu de miracle a fait son entrée. Le Dieu de la délivrance a fait son entrée. Le Dieu de la liberté a fait son entrée. Le Dieu de joie a fait son entrée. L'assurance de la... C'est fait, papa. C'est fait. Et je ne dirai plus moi qui vis. C'est ce Christ qui vit en moi. La gloire vit en moi. La puissance vit en moi. La guérison vit en moi. L'autorité vit en moi. La vie vit en moi. La joie vit en moi. L'autorité vit en moi. Le pouvoir de Dieu vit en moi. Le Christ vit en moi. Alléluia! De votre pensée, tout sera accompli. Ayez Christ en vous, tous les désirs de vos cœurs s'accompliront. Ayez Christ en vous, ce que vous voyez, Dieu vous l'accorde. Ayez Christ en vous, toute parole qui sort de votre bouche ne peut plus revenir sans effet. Ayez Christ en vous, la paix sera éternellement en vous, la joie sera votre force. Ayez Christ en vous, l'assurance. L'assurance de la gloire. Mon fils, voilà mon message. Je termine par le livre de Psaume 82:6. Ah. Wow.
82, 6. Voilà. J'avais dit. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'avais dit. Voilà mon message, mon fils Léonel. Oh, Nestor. Nestor, mon fils. Je ramène mon bien-aimé, je ramène. L'avait dit de Dieu vers ce peuple que Dieu t'a donné. Ce qu'il avait dit, Jésus l'a pris. Jésus est venu se charger de ma pourriture, de mon ridicule. Il m'a restitué la nature de la divinité. J'avais dit que vous êtes des dieux. Ce matin, ce j'avais dit s'accomplit dans ta vie ce matin et à jamais. Je l'établis dans ta vie, ce qu'il avait dit ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que la nature du Christ s'établisse en toi. Que la nature du Dieu créateur, Dieu des miracles, Dieu des prodiges, Dieu du triomphe, Dieu rendu inébranlable, Dieu élevé, Dieu des prodiges s'accomplisse dans ta vie. J'avais dit, papa, cette parole s'accomplit dans la vie de ce peuple que tu as donné à ton saint serviteur Nestor. Aujourd'hui, dans ta présence, l'Église se lève. L'Église se lève dans une vision restaurée. L'Église se lève dans une vision restaurée, dans un cœur restauré, dans une mentalité restaurée, un langage restauré. L'Église se lève. L'Église se lève et tout se lève avec l'Église. L'Église se lève. Et le pouvoir se lève ce matin avec l'Église. L'autorité de Dieu se lève ce matin avec l'Église. Le pouvoir de Dieu se lève ce matin avec l'Église. J'avais dit. Oh, cela s'accomplit. Cela s'accomplit. Cela s'accomplit. Tu es ce matin Dieu. Ce qu'il avait dit s'accomplit. Va à la maison. Tout ce que tu touches sera impacté par le pouvoir de la divinité qui est dans ta main, dans ton corps. Là où tu rentres, le salut rentre. Là où tu rentres, la gloire rentre. Là où tu rentres, le miracle rentre. Là où tu rentres, la vie rentre. Là où tu rentres, les ténèbres se dissipent. L'obscurité s'enfuit. Là où tu rentres, la mort lâche le lieu. Mon Père, c'est fini, Jésus. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. C'est fini, papa. Là où tu seras, la vie sera. À partir d'aujourd'hui, là où tu seras, le Christ sera. Là où tu seras, le salut sera. Tabitha était morte. Les gens ne sont pas réunis pour dire Jésus, Jésus, ressuscite Tabitha. Ils ont dit Pierre est dans la ville. Oh, Pierre est dans la ville. Allez chercher Pierre. Allez chercher Pierre. Pierre est dans la ville. Pierre est dans la ville. Combien de bishops dans ce pays? Combien d'archibishops dans ce pays? Combien de prophètes des nations dans ce pays? Combien de docteurs dans ce pays, ô Éternel, qu'il y ait des dieux ce matin, Seigneur, dans ce pays, pour changer les ténèbres en lumière, changer les événements, établir ton règne aux yeux des autorités de ce pays, afin que leurs genoux fléchissent devant la souveraineté de l'Église. Éternel, notre roi. L'Église ne sera plus au ridicule et les hommes de Dieu ne seront plus à la médiocrité. Mais les hommes de Dieu ce matin sont ta gloire, sont ta puissance, sont ton autorité. Oh, la révélation politique, la révélation économique, la révélation sociale, la solution au fléau. Oh, alléluia, les hommes de Dieu sont la victoire. Ils sont la vérité de ta parole ce matin.
Ta haine te fait trop bas. Ta jalousie te fait trop bas. Ta calomnie te fait trop bas. En parlant du mal de moi, tu es trop bas. En me critiquant, tu es trop bas. Je ne descends plus à ta bassesse. Je suis le fils du Très-Haut. Je m'élève. Je m'élève ce matin au-dessus de ta bassesse. Je m'élève au-dessus de tes petites critiques. Je m'élève au-dessus de ta haine. Je m'élève au-dessus de ta jalousie. Je m'élève au-dessus de ton incrédulité. Je suis le fils du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut. Ils ont été très haut dans la chambre haute. La Pentecôte, il y avait deux genres de Pentecôte. Il y avait la Pentecôte de la chambre basse et la Pentecôte de la chambre haute. Le même jour, la Pentecôte de la chambre basse, celle-là. Ah, ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. Ils sont ivres, voilà le langage, le langage, le langage des sacrificateurs, des scribes et des pharisiens. Ils sont ivres, mais la chambre haute leur a donné un langage haut, un comportement haut, une mentalité haute, une vision. Ils sont descendus avec ce qui est haut. Oh! Un analphabète de naissance, Pierre, qui va faire sortir de sa bouche un discours persuasif, un discours au-dessus de leur au-dessus de leur révélation, au-dessus de leur théologie. Hé, papa, je descends ce matin avec un langage haut, le langage de la chambre haute, le langage de la chambre haute, le langage de la chambre haute. Papa, ma bouche est remplie de grandes révélations. Des grandes révélations que les nations attendent, que les rois attendent. Mon père, fils du Très-Haut, fils du Très-Haut. Le monde soupire et attend la révélation des fils. Voici une ce matin, ce que le monde attend. Tu es une révélation, tu n'es pas une connaissance. Tu es une révélation. Il faut le Saint-Esprit pour que même les gens, ton épouse, ne t'a jamais connu. Il faut le Saint-Esprit pour que ton épouse arrive à la révélation de qui tu es. Tes enfants arrivent à la révélation de qui tu es ce matin. Tu es une révélation dans la parole de Dieu, dans la vision de Dieu, dans le nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Tu es une révélation cachée aux yeux des sages et des intelligents, aux yeux des sorciers. Tu es une révélation du royaume. Lève-toi, lève-toi. Voici le premier miracle du Saint-Esprit. Relevez l'Église, lève-toi et marche. Le premier miracle du Saint-Esprit, c'est relever l'Église. Cet homme était la vision de l'Église par terre. L'Église est aujourd'hui par terre. Les démons nous marchent dessus. Les sorciers nous marchent dessus. Le Covid nous marche dessus. Mais ce matin, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et la gloire de Dieu se lève avec toi. La souveraineté de Dieu se lève avec toi. La puissance de Dieu se lève avec toi. Lève-toi. Sois éclairé. Ah, tu ne savais pas que tu étais une lumière. Réalise que tu es une lumière. Sois éclairé. Dissipe les ténèbres. Dissipe la peur. Dissipe l'angoisse. Dissipe le stress. Dissipe l'insomnie. Lève-toi. Sois éclairé. Ah, sois éclairé. Fils de Dieu, fille de Dieu. Sois
sois éclairé de la lumière de ton Père que tu incarnes, de la gloire de ton Père que tu incarnes. Sois éclairé, car ta lumière revient ce soir, ce matin, par le Saint-Esprit dans ta vie. Ta lumière, ta lumière, ta lumière est ma propriété. Et Dieu se fait ma propriété. Dieu se donne à moi. Et Dieu se donne à moi. Fils se donne à moi ce matin. Il devient ma lumière. Je gérerai cette lumière. Je gérerai cette lumière. Partout où je passerai, à partir de maintenant, là où je rentre, les ténèbres poussent. Libère ma maison, les hommes et femmes de nuit, libère ma maison. La mort, libère ma maison. La pauvreté, libère ma maison. Mon Père, je suis ta lumière, car ma lumière. Elle est en moi. Elle est le Seigneur des Seigneurs. Faire sa demeure en moi, composer avec moi, faire de moi un honneur, faire de moi sa gloire, faire de moi son miracle, faire de moi lui-même au travers des nations, car ta lumière, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, la lumière de ta guérison arrive, la lumière de ton miracle ce matin arrive. La lumière de ta délivrance arrive. La lumière de ta résurrection arrive. C'est à toi d'ouvrir le cœur, d'ouvrir ta vie et de l'accueillir. Comme Marthe et Marie, lorsqu'ils ont vu Jésus arriver, ils sont allés à sa rencontre. Marie, il est là. Marie, il est là. La résurrection est là. La vie est là. Marie, il est là. Marie, il est là. Essuyons nos larmes. Tout va changer. Il est là, Seigneur. 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 L'argent. Mais l'argent courira derrière moi. Puisque sa lumière est avec moi, papa. L'argent courira derrière moi. Mes enfants, Simon Boutou, envoyez alors des avions me chercher tout le mois de décembre à Bangui. Si alors Oufet Boigny envoie un avion spécial pour me chercher. Si alors Bongo, envoyez l'avion me chercher. Papa, ce matin, tu seras Dieu. Et que les nations couriront derrière toi. Ce matin, tu es Dieu. Les rois couriront derrière toi, papa. Ceux qui n'ont jamais entendu, ils entendront au travers de ta bouche. Les scientifiques entendront au travers de ta bouche. Ils fléchiront le genou devant l'autorité du nom que tu possèdes. Du nom de Jésus que tu possèdes. Là où tu mets ta main, la vie s'établit. Là où tu rentres, le salut rentre. Là où tu rentres, la gloire rentre. Là où tu rentres, le miracle rentre. Voilà mon message, Néolène. Je l'établis dans ta vie, mon fils. Tu ne seras plus celui qui prêche Jésus, mais tu seras lui-même. Puisqu'il a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père dorénavant. Celui qui te voit verra Jésus. Verra Jésus. Verra Jésus. Verra Jésus. C'est fini, mon fils, de prêcher l'évangile. On en a assez prêché. Soyons nous-mêmes l'évangile. Soyons nous-mêmes l'évangile avec notre comportement, avec notre mentalité, avec notre état de cœur, avec la vérité. Soyons nous-mêmes l'évangile. Jésus qui ne disait pas la vérité, il était lui-même la vérité. Jésus qui ne donnait pas la vie, il était lui-même la vie. On a amené Pierre. Pierre est revenu. Pierre a remis Tabitha debout. On ne l'a pas appelé l'apôtre, Pierre est là. L'apôtre, on a dit simplement Pierre est là. Pierre est là. Garde la simplicité. Garde la simplicité dans ta vie. Ça ne sert à rien, c'est non ronflant.
que vous portez, ce nom ronflant que vous portez qui ne rime à rien du tout. À rien du tout. Gardez la simplicité dans votre cœur. Dieu t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Et je suis à toi, Seigneur. Tiens le bâton. Jette le bâton. Aaron, fais ci. Aaron, fais ça. Mais mon Aaron n'est plus celui que je vais utiliser. Mon Aaron est le Saint-Esprit en moi. Mon Aaron est le Saint-Esprit en moi. Je libère la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit tient. Je libère le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit tient ce matin. Change les événements. Change les événements. Je libère l'autorité du nom de Jésus. Je libère la foi. Je libère la foi dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit tient ma foi. Opère le miracle. Tient ma vision. Opère le miracle. Mon Aaron. Mon Aaron. Mon Aaron est feu et flamme. Mon Aaron n'est pas un homme. Mon Aaron est feu et flamme. Mon Aaron est le Saint-Esprit, Dieu lui-même, en moi, avec moi. Alléluia. Il a fait de moi Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi et sur moi. L'Esprit de Dieu est en moi et sur moi. L'Esprit de Dieu est en moi et sur moi. L'Esprit de Dieu est en moi et sur moi. Cette œuvre va être une œuvre puissante. Car la position que tu occupes aujourd'hui, tu n'auras plus à le prier. Tu rentres dans le cabinet. Tu rentres dans le cabinet. Avec lui, vous descendez pour que Léonel puisse faire de plus grand que ce que tu as fait. Seigneur, tu occupes. Oh, mon fils, mon ami Nestor, tu occupes un rang merveilleux pour moi, pour moi, pour moi. Tu m'aimes. Ce que tu lui diras, il le fera dans ma vie. Voilà pourquoi je suis venu te porter, te lever en hommage pour ta fidélité, en hommage pour ton amour pour le Seigneur, en hommage pour ta persévérance, en hommage pour ta victoire, en hommage pour ton triomphe, en hommage pour ta victoire, pour ta victoire. Pour ta victoire, tu as combattu le bon combat de la foi et tu en es sorti plus que vainqueur. Rentre dans la gloire de ton Dieu. Repose-toi à sa droite. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout pour le peuple qu'il t'a donné, pour Léonel et pour ce peuple qu'il t'a donné. Tiens-toi encore debout en leur faveur. En leur faveur. Alléluia! Et vous vivrez des grands événements au milieu de vous. Et vous vivrez des grandes révélations au milieu de vous. Vous vivrez. Et des grands miracles au milieu de vous. Pourquoi? Parce que Jésus nous consolait en disant: Vous, si je reste avec vous ici, vous n'aurez pas grand chose. Mais il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, je recevrai ce que le Père vous a promis. Et je vous l'accorderai. Nestor est monté. Nestor est monté. Nous recevons. Nous recevons comme Élie est monté. Élisée a reçu. Il est monté. Un Josué va se tenir debout. Une grande dame de foi va se tenir debout. Sa fille va se tenir debout. Ses enfants vont se tenir debout. L'église va se tenir debout.
L'Église va se tenir debout. L'Église va se tenir debout dans une grande dimension de foi et de victoire. Alléluia. Parce que 1 Thessaloniciens 2:20 nous dit oui, oui, oh oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Les gens vont dire toute gloire, toute la gloire est à toi. Ils ne savent même pas ce que c'est la gloire qui est à lui. La gloire qui est à lui, c'est quoi? Le ciel? Le ciel n'est pas sa gloire. La terre n'est pas sa gloire. Les mers ne sont pas sa gloire. Mon ami, toute gloire, mon fils est ta gloire. Seigneur, je te la couronne de gloire et de magnificence encore ce matin. Couronne-la, elle est ta gloire. La mère du roi des rois, tu as dit, ma mère est celle qui écoute la parole de mon père. Alors Seigneur, qu'elle soit celle qui porte ce matin l'évangile pour réveiller les apôtres, réhabiliter les apôtres, car c'est une femme qui est allée réveiller les apôtres pour leur dire, je l'ai vu, il est vivant Pierre, il est vivant. Oh! Mes filles, vous tiendrez debout pour aller réveiller les bishops, aller réveiller les archibishops, leur dire, vous l'avez vu, il est vivant. En vous bénissant, je vous établis ce matin une bénédiction pour les nations. Parce que tu peux être béni et ne point être une bénédiction. Il y en a beaucoup qui sont bénis mais qui ne sont pas une bénédiction. Mais je t'établis une bénédiction pour les nations, pour ta famille. Ta famille sera bénie à ton sujet. Oui, guéri à ton sujet, libéré à ton sujet, réconcilié à ton sujet. Alléluia. Tu es une bénédiction dans tout ce que tu entreprends. Tu es une bénédiction en exploit, en victoire. Tu es une bénédiction en parole de vision, en parole de révélation, en parole de prophétie. Tu es une bénédiction pour les nations. Ainsi soit-il, Seigneur. Il faut que ta barque soit pleine, surabondante, pour que les autres barques, ta belle famille, ta famille, tes enfants, vivent de ta barque, vivent de ta vie, vivent de ce chant que tu chantes, vivent du nom de Jésus que tu incarnes, vivent de l'alliance que tu as avec Jésus. Tu ne dois plus être médiocre, tu ne dois plus être un mendiant, tu y es une grâce de Dieu, tu y es une vie de Dieu, tu y es la gloire de Dieu, tu y es la bénédiction du Seigneur dans ce monde. Ainsi soit-il. Il a béni Abraham et il a établi une. Je ne peux pas vous dire que Dieu vous bénisse, mais je suis venu vous établir. Je sais que vous êtes déjà bénis, mais ce matin, je vous établis dans le nom de Jésus une bénédiction. À jamais, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu touches renaît, revit, connaît la distinction, connaît l'excellence. Tous ceux qui t'ont rejeté courront vers toi. Tous ceux qui t'ont méprisé courront vers toi. Sois et demeure par le Christ en toi, par le Père en toi, par le Saint-Esprit en toi, une bénédiction financière, spirituelle, en toute
miracles, de prodiges. Et quand tu engageras le nom de Jésus, que cela ne te revienne pas sans effet, mais que cela produise des effets pour que tu y aies une gloire à lui rendre. Pour que tu y aies une gloire à lui rendre. Pour que tu y aies une gloire à lui rendre. Pour que tu y aies une gloire à lui rendre. Tu es Dieu, comme ton Père s'appelle Dieu. Alors, Fils du Très-Haut, tu t'appelles Dieu. Au nom de ton Père, et les nations te reconnaîtront, et les démons te reconnaîtront, et l'enfer te reconnaîtra, comme étant Dieu, la Fille du Très-Haut, comme étant Dieu, le Fils du Très-Haut. Et c'est fait, et c'est fait! Voilà l'identité que j'ai restituée. L'identité de Dieu que j'ai restituée ce matin dans votre vie et à jamais. Vous terminez cette année 2021 dans cette identité de Dieu élevé, de Dieu de gloire, de Dieu de magnificence, de Dieu de beauté, de Dieu de fécondité, de Dieu de richesse, de Dieu de paix, de joie, de Dieu de miracles. Alléluia! Le Saint-Esprit.
enlever les deux bras. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Donne-nous, Seigneur, à régner de ton règne, le Christ en nous. Donne-nous à régner de ton règne de délivrance, de résurrection, d'ascension, d'élévation, des miracles et des prodiges. Donne-nous à régner de ton nom, Papa. À régner de ton pouvoir ce matin. À régner de ta divinité ce matin. Je règne. Je règne. Tout m'est soumis. Je règne. Assis en toi et avec toi sur le trône. Je règne. Au nom du pouvoir que tu m'as donné, je règne. Au nom de l'autorité que tu m'as donné, je règne. Je règne. Je règne. De ta divinité, je règne. De la plénitude de ta divinité, je règne. De la puissance du nom de Jésus-Christ, je règne. De la plénitude du Saint-Esprit en feu et en flamme ce matin, je règne. Je règne, Papa. Je règne. Tout m'est soumis ce matin, Papa. Je règne. Les portes s'ouvrent devant moi, je règne. Les ténèbres deviennent lumière devant moi, je règne. La mort devient vie devant moi, je règne. La pauvreté devient richesse devant moi, je règne. Oh, les deux bras levés, chantons. Le Saint. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui. La mort a disparu. Je donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. L'autorité. Le Saint, oui. Esprit, oui. Est alors montons, montons. Allons-y. Le Saint Esprit est là. Le Saint Esprit est là. La mort a disparu. Je donne un plein salut. Le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Levez-moi le bras droit. Et ferme le bras, la main droite que tu as élevée. Mon fils, laisse-moi un peu la musique. Ferme la main droite que tu as élevée. Si Christ est assis à la droite du Père, et que la droite de l'Éternel est élevée, et que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance.
tu l'as élevé. Tu l'as élevé, le Christ, dans ta vie. Maintenant même. Élève le Christ, la droite de ta guérison. Élève le Christ, la grâce de ta délivrance. Élève le Christ, la droite de ta résurrection, mon fils. Élève le Christ, la droite de ton élévation, de ton règne, de ta souveraineté, de ta domination. Élève le Christ, la droite de feu, de flamme. Alléluia. Oh papa, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Oh éternel, la droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance en m'affranchissant, en m'affranchissant, en m'affranchissant, en me ressuscitant, en me guérissant, en me libérant ce matin et à jamais. Toute maladie est guérie ce matin. Toute oppression est bannie de ma vie ce matin, Seigneur. Élève. Élève. Élève cette œuvre que Nestor nous a laissée. Élève. Élève. Ma fille. Élève ton père, élève ta mère, élève ton mari, élève tes enfants, élève-les. Tu les feras introduire, tu les introduiras dans l'abri du Très-Haut. Élève-les. Élève-les. Ils ne sont pas à la merci de la contagion. Ils ne seront plus à la merci des fléaux. Élève ton corps, ton âme et ton esprit. Élève. Élève ta foi pour des grands miracles. Élève ta foi pour des grandes victoires. Élève ta foi. Élève. Élève ta vision de ce que Dieu t'a dit, que tu es Dieu. Vois grand. Vois grand. Ne vois plus petit. Ne vois plus les miettes. Vois grand. Élève. Maintenant que tout s'écroule, ce matin nous nous élevons. Nous nous élevons dans le nom de Jésus. Nous nous élevons dans le pouvoir qu'il nous a donné. Nous nous élevons pour être la tête des nations. Nous nous élevons pour être la solution des nations. Nous nous élevons pour être la gloire des nations. Ma fille, tu es en haut. Plus jamais tu seras en bas. Ma fille, tu es la tête. Plus jamais tu seras la queue du ridicule et de la médiocrité. Ma fille, tu es faite pour la domination. Tes bras levés, bien levés comme les Américains. Quand je vois comment les Américains élèvent leurs bras, nous, dans la francophonie, nous sommes très médiocres. Élève ton bras, détermine-le, comme le bras de Moïse sur la montagne. Élève ton bras, affermis-le, comme ta foi s'affermit, ma fille. Élève tes bras, ton bras comme les bras de Jésus sur la croix. Produisons-le, tout est accompli. Élève, ce que vous voyez, ce que je vois, papa, la salle est remplie de la gloire de Dieu. Mes amis, les anges, des miracles sont là. Élève ta foi. Ils vont remonter avec ta foi, redescendre avec ton miracle. Élève ta foi, ma fille. Élève ta foi. Tu es là pour repartir avec ton miracle. Tu es là pour repartir avec ta guérison. Tu es là pour repartir avec l'assurance de la semaine. L'assurance de ce mois que tu finis en gloire. Éternel.
Éternel, je ne mourrai point. Éternel, je vivrai. Je vivrai, papa. Et je vivrai. Éternel, finis les miettes dans ma vie. La surabondance est pour moi, Jésus. Tu as fait ton entrée dans ma barque, dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mon mari, de mes enfants. La surabondance est pour nous, roi des rois. Et ton bras levé, ma fille, ils viendront sur un chemin, ils repartiront sur ce chemin. Et ton Dieu te dit qu'il te donne la victoire sur tous tes ennemis qui t'entourent. Il te donne la victoire sur tous tes ennemis. Le Covid, le cancer, le diabète, l'hypertension, yeah, le AVC, la méchanceté des hommes, le complot des hommes, la haine des hommes. Je te donnerai la victoire sur tous tes ennemis qui t'entourent. Je te donne ce matin la victoire. Christ est ta victoire. Tiens le Christ dans ta main. Tiens son nom. Tiens son pouvoir. Tiens sa présence. Tiens son autorité. Et puisque tu as la victoire, alors pousse-le. Pousse-le comme Élie sur la montagne. Tu vas libérer ta pluie. Tu vas libérer ta pluie toi-même. Libérer ta pluie. Et comme Josué, mon fils Léonel, ils avaient que la trompette, ils sonnaient. Les montagnes, les murailles s'écroulaient sous leurs yeux. Ils avaient que la trompette, ils sonnaient. Mon bras élevé, j'ai élevé Astrid, mon épouse. J'ai élevé mes 10 enfants, Seigneur, dans le règne, dans la réussite, dans la vie, dans la sécurité, dans la protection. Nous élevons. Poussez après moi. Mettez-moi le feu. Victoire! Ma fille, c'est lui qui t'a dit, je te donnerai la victoire sur tous tes ennemis qui t'entourent. Ah, si tu crois que tu l'as, si tu crois que tu as la victoire, ta maladie est guérie. Ta situation change et tu iras changer toute situation dans ta maison, dans tes projets. Alors voici la deuxième, mets-moi le feu, victoire! Oui. Ma fille, donne à ta victoire un nom. Si elle est la guérison, alors elle sera la guérison dans ton corps. Dans ton corps. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Par le nom de Jésus-Christ. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Léonel, un peuple de héros. Un peuple de champions, un peuple de conquérants, un peuple de plus que vainqueurs. Dieu met derrière toi, Josué, un peuple de conquérants. Léonel, un peuple de conquérants. Voici la troisième, élevez la foi, élevez la foi, élevez la foi, élevez la foi. Mettez-moi l'autorité, mes enfants, victoire! Envoie, comme le centenier a dit, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Envoie cette victoire là où se trouvent tes dossiers. Yeah! Envoie cette victoire cette semaine et la semaine de ta victoire, de ton miracle, de ton miracle, de ton miracle. Envoie,
envoie dans la, dans ton foyer, dans tes projets, dans tes entreprises. Tu l'as reçu, tu l'as reçu, tu l'as reçu. Voici, voici la quatrième. Élevez la foi, élevez la foi. Peuple triomphant, peuple vainqueur, peuple de pouvoir, peuple d'autorité, peuple héros, peuple du royaume. Vous avez la victoire. Yeah! L'Éternel est en nous. Dieu dit que je suis Dieu, celui qui triomphe de tout pharaon. Pharaon sida, pharaon cancer, pharaon fibrome, pharaon stérilité. Je triomphe de toi ce matin. Élevez la foi. Mettez-moi le feu là, cinquième victoire. Mets ta main dans la main de Jésus-Christ. Le sang qui est dans sa main coule dans tes veines. L'antivirus, l'anticontagion, l'antifléau. Le sang qui est dans sa main te justifie, ma fille. Les maîtres sûrs que tu tiens te guérissent maintenant même. Et la richesse qui est dans sa main soit ton héritage maintenant même. Car tout ce qui est à lui est à toi. Oh Dieu, tu tiens de sa main le pouvoir. À quiconque tu imposes les mains sera guéri. Tu tiens dans sa main la puissance. Tout ce que tu touches, mort renaîtra, revivra, connaîtra la distinction. L'autre main bien élevée, mets ta main dans la main du Saint-Esprit. Et tu as les deux avec toi. Tu as le Saint-Esprit, feu et flamme. La flamme consume les œuvres de Satan dans ta vie. La flamme du Saint-Esprit embrase ta vie, embrase tout ton corps. Et dorénavant, ta main sera en flamme, en flamme, en flamme de réussite, en flamme de distinction, en flamme de l'excellence. Qui jette son regard d'héritage sur toi. Qui jette son regard d'intronisation sur toi. Qui jette son regard de consécration sur toi. Qui jette ton regard de baptême du Saint-Esprit, de feu et flamme. Des dons, des miracles et des prodiges. Quelle journée de réconciliation. Yeah! Quelle journée d'héritage. Quelle journée d'une nouvelle alliance. Quelle journée d'une nouvelle alliance. Papa, quelle journée d'une nouvelle alliance. Tout ce qui est à moi est à lui. La maladie est à lui. Les difficultés sont à lui. Le combat est à lui. Et la victoire me revient. La victoire me revient. Sa victoire me revient. Sa grandeur me revient. Son miracle me revient. Non, mon fils, tu ne seras plus jamais le même à partir d'aujourd'hui. Tu as repris l'identité de Dieu.
Tu as repris la nature du Fils de Dieu, très haut. Voici la sixième. De cette sixième, ne descendez pas. Restez là-haut. De ta bouche, nomme ce que tu veux nommer. Nomme la guérison dans ta vie. Nomme la richesse dans ta vie. Nomme la résurrection dans tous les domaines dans ta vie. Nomme. Nomme la prospérité dans tous les domaines dans ta vie, ma fille, mon fils. La sixième. L'homme est créé. L'homme est réhabilité. L'image de Dieu est restaurée. L'image de Dieu est réhabilitée dans ta vie. Maintenant, la nature de Dieu est réhabilitée. Allons-y. Yeah, ce que je vois, rempli du Saint-Esprit. L'église est remplie du Saint-Esprit. Ouvre-moi ta bouche avec feu et flamme. Ne prie plus dans ton nez. Ouvre-moi ta bouche, libère. Car il a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Alors, ouvre-lui ta bouche. Il la remplira de gloire, de miracles, de prodiges, de paroles de révélation et de vision. Ah! Dieu de Nestor, tu es là. Dieu de Papa Nestor, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là pour Léonel. Tu es là pour ma fille. Tu es là pour la fille de Nestor. Tu es là pour les enfants que Dieu a donnés à Nestor. Tu es là pour la vision que Dieu a donnée à Nestor. Tu es là. Pour l'église que tu lui as donnée, tu es là. Encore là. Encore là. Encore là. Voyez comment Papa Talingano prie. Si c'est le parler en langue, il ne murmure plus. Bon! On lui a dit, c'est fini de murmurer. Je dégage Satan. Je déloge les démons. Je déloge la maladie. Je déloge la pauvreté. Oh Éternel, toute ma victoire investie de ta royauté, de ta souveraineté, de ton pouvoir, de ta puissance, j'entends. Satan, tu es mon marchepied et je t'ordonne de libérer. De libérer le corps. J'établis le règne du nom de Jésus en tout miracle, en toute guérison dans la vie de ma famille, en toute sécurité dans la vie de ma famille, par le Saint-Esprit que tu m'as donné. Je rends tout possible maintenant. C'est fini. Le diable n'a pas peur de ceux qui... Le diable n'a pas peur de ceux qui murmurent, mais le diable a peur de ceux qui vomissent le feu. La doctrine de Jésus était l'autorité. Jésus s'écria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et la mort a lâché. La mort a lâché. Ton miracle est dans ta bouche, ma fille. Le miracle de Bartimée était dans sa bouche. Même si tu reçois dans la plénitude et que tu tombes, il n'y a pas de démon ici. Tu tombes dans la grandeur de ton Dieu. Et tu te relèves dans la puissance de ton Dieu pour aller relever ceux qui sont par terre. Les deux bras levés, voici la sixième. Tu veux entendre la voix du héros. De Bartimée qui domine sur
ne crie pas, mais sa voix dominait jusqu'à ce qu'il a, jusqu'à ce qu'il fasse revenir le miracle, revenir le roi des rois, revenir le royaume, revenir la victoire. Papa. Seigneur, je te ferai revenir dans ma vie. Je te ferai revenir dans la vie d'Astrid, de mon épouse. Je te ferai revenir dans la vie de mes enfants. Je te ferai revenir ce matin dans la vie de Léonel, de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs, de maman, de l'église. Oh, allons-y maintenant, les deux bras levés. Eh, hey, montez. Eh, hey, soyez la tête, montez. Montez dans la chambre haute. Montez sur la montagne de la transfiguration. Montez sur la montagne du tout est accompli. Libérez, libérez, libérez l'autorité. Allons-y. Victoire! Oh! Adopte le Ria de Bio. Wakakua de Chite le Roi. Why? De te. Priez, 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 priez. Libérez, libérez le feu. Libérez l'autorité. Libérez la gloire. Libérez la vie. Libérez le miracle, mes enfants. Libérez, libérez le miracle. Tato, arrête de connaître. Power, adote tout à d'autres. Waya de Chite le Roi. Recevez, recevez, recevez la puissance. Recevez, recevez l'autorité. Recevez, recevez la grandeur de Dieu, recevez, recevez la victoire, recevez le miracle. Avance, avance en plein haut. Rentre dans les profondeurs de la révélation, de la grandeur de ton père. Libère, libère, libère le feu. Libère l'autorité, libère. Libère ta victoire. Libère la puissance. Libère, libère, libère ton miracle. Libère, libère, libère.